Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dire c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'avait été demandée. On va réaliser un serviettage sur papier très simple, donc comme ceci. Alors je tourne ma vidéo toujours le même jour, hein, donc on est toujours mercredi 19, vous l'aurez plus tard. Le temps que je suis un petit peu bien, mais je suis désolée, Tango est toujours aussi énervé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce type de serviette que j'ai déjà réalisé et ce qu'on va réaliser ensemble. Donc j'ai réalisé celle-ci. Donc ça c'est très pratique. Alors très pratique pourquoi? Parce que bah, vous pouvez soit vous en servir, ça vous fait une carte un petit peu printanière. Ça vous fait un autre papier, on va dire, sur le thème un peu printanier. Ou vous pouvez tout simplement venir, si vous ne servez pas tout, hein, vous enlevez qu'un petit bout pour votre carte. Le reste, vous pouvez venir le détourer, donc venir le couper et ça vous fait des petites marguerites. Donc ça vous fait des petits embellissements pour mettre sur vos, sur d'autres cartes. Hein. Voilà, ou venir faire une petite étiquette juste avec la marguerite et puis écrire un petit mot dessus, etc. Donc ici, j'ai celle-ci qui est sur le thème de l'automne. Voilà. Celui-ci, je l'ai eu chez Action, par exemple, ce papier-ci, cette serviette-là. Alors, j'utilise plusieurs... Alors, ça peut être réalisé sur plusieurs papiers. Ça peut être réalisé sur du papier encre, du papier d'imprimante, on va dire, jusqu'à du papier beaucoup plus épais, comme par exemple, moi, ce que je vous disais, hein, je me sers beaucoup de... dans ma précédente vidéo, je disais que je me sers beaucoup de mon papier aquarellable parce que j'aime bien cet effet qu'il y a dessus et je me sers toujours de ce côté pour faire mes serviettages. Donc, vous voyez, celle-ci a été faite là-dessus. Vous voyez, c'est déjà quelque chose d'assez cartonné. Vous voyez? Et donc, bah, je peux m'en servir pour plein de choses. Soit pour faire de la découpe, pour faire de l'embellissement sur mes cartes. Hein, voilà, je les découpe et je fais des embellissements sur mes cartes. Ou alors, tout simplement, pour m'y remettre sur une carte. Voilà. Celle-ci, bah, c'est pareil. Soit que je garde et puis je... Voilà, je pars sur un papier, vous voyez, un peu de cette couleur-là en base. Et puis, je viens découper ce qu'il me faut pour faire ma carte. Vous voyez, mon matage, en fait, hein, pour venir remettre au-dessus de ma carte. Et pourquoi pas en refaire une deuxième et puis venir faire des découpes dedans. Voilà, venir faire de la découpe dedans. Et puis, ben, le mettre à l'intérieur de la carte. Regardez bien, je vais vous sortir un papier justement dans le hall que je vous avais tourné. Regardez, vous voyez, par exemple, alors, soit qu'on part, vous voyez, dans la même, du ton sur ton, un peu, on va dire. Vous voyez, soit on part du ton sur ton, vous voyez, hop. Voilà, donc vous voyez, ici, on laisse tout le temps, on va dire, 2,5 mm, hein. Donc, vous voyez, soit du ton sur ton. Vous voyez, il y a plein de possibilités. On peut partir sur le marron ici. Allez, ça ferait très très joli aussi. On peut carrément partir également avec un bleu comme ça. Ça ferait pas drôle non plus. On peut partir sur un bleu ciel comme ça. Ça fait pas drôle non plus. Et on peut venir partir sur un vert. Voilà, et il peut vraiment être mis dans plein de... Regardez. Dans le jaune, je le trouve juste sublime, moi. Regardez, dans ce jaune-là. Et même, comme il y a un peu d'orange, pourquoi pas dans l'orange. Voilà, et même dans ce vert-là, hein, il irait très bien parce qu'on a un peu dedans. Voilà. Donc, vous voyez, on peut venir faire des embellissements avec ou tout simplement, bah, ça nous fait une carte à motif en plus. Vous voyez, enfin, une feuille à motif, on va dire, en plus. Donc, quand vous achetez un paquet de feuilles comme ça dans les supermarchés ou dans les
voilà, dans les actions, dans les nauses. Comme celui-là vient de Nose. Ça, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps chez Nose. Celui-là, c'est un tout récent de chez Action, là, sur le thème d'automne. J'ai également celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait dans un papier beaucoup plus fin. Dans un papier qui vient de ce bloc ici. Dans les feuilles. Donc, c'est vendu chez Action aussi. Mais du coup, dans les feuilles fort fines. Vous voyez, dans les feuilles les plus fines. Bon tango, s'il te plaît. Donc, celui-là, c'est du... Ouais, ils disent pas le grammage. Et celui-ci, je l'ai fait sur du papier d'imprimante. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc... Alors, vous voyez, en fait, quand vous en avez comme ça, c'est jamais perdu parce que, vous voyez, regardez, moi, je m'en suis servi que d'un. Vous voyez? Et il m'en reste encore sur ma feuille, il m'en reste encore trois. Vous voyez? Dans celle-ci, vous voyez, je m'en suis servi d'un, il m'en reste encore trois. Alors, nous, aujourd'hui, on va travailler sur celle-ci. Alors, du coup, on va prendre... On va prendre donc une feuille de ce bloc, hein, parce que moi, comme je l'ai dit, j'aime bien ce côté, et j'aime bien ce côté rayuré un peu. Donc, voilà. Donc, pour faire une carte, il vous faut une feuille blanche, ou autre couleur, mais bon, moi, je préfère blanc. Cartonné ou pas, peu importe, franchement c'est comme vous voulez. Ça peut être une aquarella pour avoir un petit relief dedans, ou vraiment vous pouvez l'utiliser côté carton, côté plat. Ça peut vraiment être ce que vous voulez. Une feuille cartonnée, il va vous falloir une feuille, il va vous falloir de la colle en bâton, absolument de la colle en bâton. Il va vous falloir une spatule. Alors, moi, j'ai une spatule à DP. Alors, ça peut être une, quelque chose qui va vous aider à pousser. Donc, ça peut être soit une spatule. Moi, j'ai pris ma spatule à DP. Mais ça peut également être une règle. Ça peut être une équerre. Ça peut être, vous savez, l'hiver, là, quand vous, sur les pare-brises, là, vous avez des fois des gratte-gratte. Et bien, ça, ça va très bien aussi. Et il va vous falloir quelque chose de plastifié. Moi, honnêtement, je vous dirais qu'une pochette plastifiée, c'est l'idéal parce que c'est transparent et vous allez voir ce que vous faites. C'est tout ce qu'il va vous falloir et une paire de ciseaux. Donc, le matériel, une serviette, une pochette plastifiée, quelque chose pour pousser, voilà, pour venir bien mettre, une feuille, peu importe, de la colle en bâton. C'est pas forcément UHU, hein. Ça peut être celle d'Action, ça peut être... une de supermarché, ça peut être n'importe quelle marque. Hein. Et puis, bien sûr, une paire de ciseaux. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà séparer la carte. On va déjà séparer le papier. Alors, je vous aurais bien dit également, j'ai deux techniques pour... Enfin, deux techniques que j'ai vues, hein. J'ai rien inventé. Hein. Alors, soit vous mouillez un peu, vous voyez, les deux extrémités ici, sur votre doigt, ça va vous permettre d'enlever les pellicules de papier. Alors, d'après moi, je pense qu'il y en a qu'une. Alors, vous enlevez la première pellicule, vous y allez doucement. Hein. Ça vient tout seul, hein, mais quand même. Hein. Ça, vous ne le jetez pas. Que ça peut vous servir également, vous pouvez le refaire avec cette partie là. Alors, pas une feuille blanche sur une feuille blanche, mais sur autre chose. Et ici, je sais pas s'il y en a une deuxième. Si. Alors, faites bien attention parce qu'il y en a, ils ont deux plis.
Et en un, ils ont 3 plis. Voilà. Alors, si c'est un lot de serviettes que vous avez complet, c'est marqué quand vous l'achetez. Et sur celle-ci, j'avais pas vu. J'ai pas regardé. Mais après, moi, j'ai des serviettes où j'ai plus les emballages parce que bah, je m'en suis déjà servi l'année dernière. Et je m'en suis servi l'année dernière, mais pour ma table de Noël. Et voilà. Alors, ça, c'est des serviettes qui viennent de chez Noz de l'année dernière que j'avais acheté l'année dernière au moment. Bon, moi, j'ai plus de Noz à côté de la maison. Donc, malheureusement, voilà. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, si ça vous dit, hein, si ça intéresse quelqu'un de faire du serviettage, et que bah, certaines ont un Noz et en achètent, alors pas forcément que Noël. Alors, voyez, comme celle-ci, ici, a encore l'imprimé Merry Christmas. Vous voyez, et ben, je suis persuadée que ça ferait très beau aussi. Regardez, sur la feuille, comme ça, vous voyez, en quelque chose de très... Et on va dire que ça va être un dessin comment très très pâle, mais ça peut le faire. Donc voilà, vous pouvez, vous voyez, faire sur deux couleurs en fait le serviettage de cette, et vous pouvez le faire 4 fois, hein. Voilà, donc on ne jette pas, hein, dans le scrap, tout se récupère. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, moi, ça m'intéresse que d'en faire une seule. Donc, maintenant que j'ai ce que je veux, je vais venir couper ici pour avoir juste un carré parce que j'en veux qu'un. Hein? Alors, après, si vous voulez faire toute votre planche, voilà, par exemple, vous dites, bah voilà, le bord-là, j'en veux pas, celui-là, il m'intéresse pas. Hop, on cadre pour avoir que ces deux-là. Hein? On peut faire ça aussi, hein. Mais là, ouais, quoi que. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais partir en mon principe de base, comme ça vous allez voir la base. Hein, mais vous pouvez tout à fait couper un bord. Je vais tout à fait couper là pour être un rond, et ici pareil, et faire sur la feuille complète. Hein. Alors là, c'est avec délicatesse. Voilà, c'est avec délicatesse cette histoire. Bon, je coupe pas droit, mais bon, on voit que ça va pas mon histoire. Hop, voilà, et ça on range, hein, pareil, hein, on range, on met ça quelque part. Alors moi, je vais me servir du côté ici ondulé, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ce côté ondulé. Alors ici, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais venir, ça sert à rien que j'aille mettre de la colle partout, mais j'ai quand même laissé un petit bord au cas où, au moment de poser, j'aimerais pas poser droit, hein, ça c'est encore mon style. Donc, hop, voilà, je laisse quand même un bord, hein, avant de venir découper, voilà. Et ensuite, ce qu'on vient faire, ça c'est pareil, on ne jette pas, hein, on peut s'en servir, hein. Vous voyez, comme par exemple, faire une découpe d'un petit oiseau, d'une, voilà, on ne jette rien. Et ensuite, eh ben, on enlève la petite, voilà, et ici dessus, on vient mettre de la colle, mais partout. Faut bien regarder, être sûr que vous en mettez bien partout. Vous voyez? Alors, avant, on faisait comme je suis en train de vous montrer. Mais avant, on mettait du vernicole. Moi, quand j'ai appris à faire du serviettage, c'était du vernicole. Donc, on mettait une couche de vernicole partout sur la feuille. Ensuite, on posait la feuille délicatement. Et ensuite, on venait... remettre du vernicole dessus pour justement l'aplatir et le mettre correctement. Et ici, maintenant, comme cette technique-là, elle est 10 fois mieux. Merci à celle qui a créé cette technique. J'ai plus de colle. J'ai plus de colle. Alors, je vous explique, c'est des vieilles colles comme les enfants ont dû aller à l'école que j'avais encore. Et du coup, elles ont tendance à vite se... Ça fait des morceaux.
Bon, pas de panique, hein, j'en avais encore quelques-unes. Hein. Le truc, c'est qu'après que je retourne à Carrefour, que je rachète la colle, parce que, vous voyez, celle-ci, elle fait plein de... Voilà, et on en met bien partout, hein. Surtout, vérifiez bien avant de mettre votre feuille que vous avez bien, bien de la colle partout. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous prenez votre feuille. En fait, attention, pour ne pas avoir plein de colle, plein les mains comme moi. Vous prenez tout simplement votre feuille. Et vous venez la poser délicatement. En essayant de la mettre droite. C'est tout. Vous y touchez pas, vous aplatissez pas, vous allez casser, vous allez abîmer votre papier. Vous venez poser par-dessus votre pochette plastifiée. Et vous venez tout simplement... venir chasser les bulles d'air et vous venez bien aplatir pour bien de la coller. Et voilà, votre serviettage est terminé. Vous vous retrouvez maintenant avec une feuille pour vous réaliser une carte ou ce que vous voulez. Vous voyez, moi, regardez, la colle, c'est tellement fait que votre pochette, vous la nettoyez un petit peu et puis c'est tout, elle resservira. Et voilà. Alors, moi, j'ai un petit peu de trucs. Voilà. Alors, comme j'ai de la colle tout autour, parce que, voilà, moi, ma colle, elle bave, je vais venir tout de suite découper le pourtour, le contour. Alors, par contre, vous ne vous en servez pas tout de suite de cette carte. Hein, surtout. Vous la laissez, vous laissez bien le tout bien sécher. Hein. Alors, moi, je dirais l'idéal, c'est de la laisser sécher quelques heures. Hein, voilà. Donc, limite, si vous voulez faire une carte, bah, soit vous faites ça le matin ou vous faites ça la veille. Et puis, ben, moi, j'ai plus à les reposer, plus elle a pris le temps de sécher, mieux ce sera. Donc, moi, j'irai même le lendemain, pourquoi pas. Voilà. Alors, donc, ma carte, du coup, elle fait combien sur combien? J'ai même pas ma règle devant moi. Donc, bon, voilà, je prends ce que j'ai devant moi. Alors, elle fait 16. Ouais, un bon 16 sur, on va dire pareil, 16 sur 16. Donc, vous voyez, si vous voulez faire une carte et que vous voulez rien faire d'autre, vous voulez la laisser comme ça, vous la trouvez jolie comme ça et vous avez décidé de l'envoyer comme ça. Et bien, tout simplement, vous la laissez bien sécher. Et du coup, demain... vous venez recouper ici le surplus. Vous voyez, un petit peu de chaque côté, par exemple. Bah, faites attention si vous voulez garder le Christmas. Vous venez recouper pour être à 14,5. À 14,5 ici. Donc, soit vous coupez un peu le bas et un peu le haut. Vous voyez, pour être à 14,5 sur votre carte. Et après que c'est bien sec. Hein. Et puis, vous venez la remettre sur une autre carte qui fera 15 sur 30. Voilà. Et ensuite, bah, ici, vous pouvez soit venir mettre un petit, juste un petit sentiment que vous allez prendre, par exemple, sur
sur un autre livre écrit. Ah bah non, mais Merry Christmas, c'est déjà écrit, donc il n'y a même pas de sentiment à mettre. Bah si pour toi, par exemple, c'est toujours bien de rajouter un petit truc écrit pour toi. Ou voilà. Donc vous faites ça à l'intérieur de votre carte. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Je cherche. Voilà, par exemple, petite étiquette blanche ici. Et puis, vous venez écrire, par exemple, là, hein, vous la redécoupez un petit peu. Puis, si vous écrivez, bah, pour toi, hein, par exemple. Ou un Merry Christmas, ou vous laissez comme ça. Et ici, bah, vous pouvez venir rajouter des petites décorations. Vous pouvez venir mettre un petit nœud. Voilà, vous pouvez y rajouter des petites choses. Hein, il y a encore plein de place. Hein, sur le, voilà, vous pouvez y rajouter des choses. Vous pouvez la laisser comme ça, comme vous pouvez y rajouter des choses. Après, ce que vous pouvez également venir y faire, c'est que vous pouvez tout à fait venir ensuite découper. Si vous voulez pas de ce fond-là, mais découper. Voilà, ici comme ça, on est tout découpé. Voilà, tac, 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 partout. Vous venez récupérer votre Merry Christmas. Vous venez chercher un fond de carte sur le thème de Noël. Alors bon, moi j'ai pas grand chose là, c'est la façon de parler. Vous venez le coller par exemple sur cette carte là, vous voyez, tout ça vous l'avez découpé, hop, vous venez découper, ça va venir, vous allez venir le poser là-dessus et ça vous fait une carte doublement personnalisée. Voilà, vous avez juste récupéré ça de votre voilà, et tout en sachant que vous pouvez en faire 4. Puisque sur une feuille, il y en a 4. Alors, après, ce que vous pouvez également faire, regardez bien, on va y faire un petit essai ensemble. Ça, je ne l'ai pas encore fait, cet essai-là. Alors, admettons. On va essayer pour voir ce que ça donne. Allez, on va le couper. Hop. Regardez ce qu'il donne sur un fond blanc. Hein. On va le refaire du coup sur un fond blanc. Hop. Je mets tous mes restes de feuilles dans celui-là. Voilà. Hop. Regardez, vous pouvez également venir le faire avec une feuille de livre. Hein. Vous voyez, par exemple, vous voulez garder le Merry Christmas. Regardez, vous voyez, vous voulez envoyer quelque chose un peu sur un style un peu vintage. Regardez ce que ça peut faire. Vous voyez ? Mis sur une feuille comme ça, de livre. Vous voyez, on voit encore, on découvre encore les pages du livre tout en voyant apparaître une photo de Noël. Puis après, à vous de le décorer, de le découper. Voilà, vous ne laissez pas comme ça, vous le découpez, vous venez rajouter des choses, hein. Alors, sauf que nous, là, on est parti pour réessayer le même style de carte. Allez, hop. Alors, sauf que là, je vais venir vraiment faire ici avant, hein, puisque le papier ne m'intéresse pas en lui-même. Donc ici, je vais vraiment venir découper. Et ici, on va venir directement découper tout ce qui ne m'intéresse pas. Cette partie blanche ne me sert à rien. Puisque
que là, il n'y a plus de fond. Hein, il n'y a plus de fond. Donc voilà. Bon, bah, c'est comme ça qu'on peut. Allez, hop. Comme ça, vous voyez, là, je récupère de quoi pour pouvoir en faire une limite. Voilà. Donc ici, bon, on va peut-être le faire dans l'autre sens, pas côté rainure. On va le faire côté où il n'y a rien. Allez, hop, on y va. Bon, je pense qu'au niveau de la hauteur, ouais, on doit être à peu près là, je pense. Hein. Je n'ai pas vérifié. Bon, j'en ai à peu près partout. Il n'est pas fatigué. Non, il n'est jamais fatigué, Tango. Alors, hop, on vient le poser dessus. Toujours la même technique. On vient remettre le petit papier. Et on vient maroufler, on va dire, hein, c'est pas maroufler, mais venir écraser le... Et voilà. Alors, il n'y a plus qu'à venir découper ce qu'on ne veut pas. Oh, bien sûr, vous venez découper ça correctement, hein, pas là comme moi. Hein. Et voilà, alors vous pouvez même la laisser, du coup, bien sûr, il faut toujours essayer également la laisser bien sécher, mais vous voyez, ça vous fait une carte un peu, on va dire, beaucoup plus claire, beaucoup plus, voilà, c'est tout à fait, c'est quelque chose que, voilà, c'est autre chose, c'est, alors vous pouvez même, pourquoi pas, du coup, si vous voulez garder le fond blanc, et je me tâte d'un truc. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas être sec, mon papier. Mais bon, c'est plus fort que moi, il va falloir que j'essaye. Regardez, sans faire les choses... Je sais pas. C'est parlant. Par vos enfants, laissez repasser. Par système un peu de pointillé, ça marcherait. Mais est-ce que... C'est parce qu'elle n'est pas sec ou est-ce que c'est parce que c'est de la serviettage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À faire le test peut-être. Je continuerai le test après que c'est sec et je vous en reparlerai. Donc voilà, vous avez compris un peu le système du coup de la serviettage. Vous voyez, je pense que c'est jouable. Donc sur ce, eh ben moi je vous laisse. C'est quelque chose de très très simple. Par contre, dites-moi avant de vous quitter, si vous souhaitez, si vous avez plusieurs serviettes chez vous, alors allez voir, hein,
voilà, quand vous êtes dans la famille, bah voilà, t'as pas une serviette qui traîne, le machin, etc. Voilà, chez vos parents, chez vos grands-parents, enfin voilà, vos frères, vos sœurs, etc. Ça va vous permettre de récupérer un panel de feuilles assez important de différentes couleurs. Et pourquoi pas, si ça vous dit, par exemple, bah oui, moi je suis OK pour un échange de serviettes, eh bien, limite, vous n'êtes pas obligé de la déparier tout de suite. Vous coupez, même si vous en avez qu'une, vous la divisez en quatre, ça vous fait quatre morceaux si vous voulez faire un échange avec quelqu'un. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez sous cette vidéo, comme quoi en commentaire, bah ouais, ça m'intéresserait de faire un échange de serviettes avec d'autres personnes, avec toi, avec d'autres personnes, etc. La serviettage, c'est pas lourd et on s'envoie des différentes serviettes. Donc, tu m'en envoies trois, voilà, on s'en fout du nombre, mais tu m'en as envoyé, je t'en renvoie, voilà. Ça peut être pas mal pour avoir une belle gamme, comme ça, on aurait tous, pour celles que ça intéresse, des belles gammes de couleurs de papier. Vous voyez, moi, celle-ci, je l'ai. Celle-ci, je l'ai en plusieurs exemplaires. Celle-ci, je l'ai en plusieurs exemplaires. Celle-ci, je l'ai également en plein d'exemplaires. Celle-ci, pareil, j'ai en plein d'exemplaires aussi. Donc, si ça vous dit, on peut également se faire des échanges de serviettes. Vous m'envoyez, je vous en envoie. Ça peut être sympa avec une jolie petite carte. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.